Merci, cher André, de cette introduction. Merci, cher André, aussi de l'organisation de cette journée, la cinquième journée des territoires de demain, que nous sommes une fois de plus heureux d'accueillir à Saint-Mandé, en particulier dans cet hôtel de ville. Je voudrais vous souhaiter naturellement la bienvenue à toutes et à tous, et j'espère que notre journée de travail sera fructueuse pour notre territoire. Je viens vous parler aujourd'hui, vous lancer cette table ronde un peu particulière que nous avons souhaitée avec l'ACTEP, l'Association des collectivités de l'Est territoriale de l'Est de Paris, dont le délégué général est mon collègue et ami Jean-Pierre Spitboer, maire de Bry-sur-Marne. L'ACTEP, pour mémoire, c'est sur deux départements, le 93 et le 94, notre Val-de-Marne, 14 communes qui sont réunies pour tenter de faire oublier que notre territoire a été oublié. Nous sommes depuis 2000, réunis, nous étions un peu plus nombreux, mais d'autres ont fait leur propre intercommunalité. Et notre souci est d'aménager notre territoire, puisque le constat était que nous avons trop de logements par rapport à l'emploi. Nous sommes à un indice de 0,68, et naturellement nous souhaitions le faire bouger, et notre vocation a été avec la règle d'or du consensus, puisque toutes les mairies réunies avaient des étiquettes politiques différentes, était naturellement de travailler au mieux-être de ce territoire, oublier un peu de la République, puisque si vous partez du périphérique pour arriver pratiquement à Marne-la-Vallée, il n'y a non pas grand-chose, mais en matière de dynamisme économique, il n'y avait hélas pas, j'allais dire, une volonté de développement fortement assurée à la fois par les pouvoirs publics, nos grands conseils généraux ou conseils régionaux, même s'ils ont tenté de faire des efforts. Et donc nous sommes pris en main. Alors nous avons le souci de l'aménagement de territoire économique, ça veut dire développer à la fois la formation, c'est-à-dire développer les réseaux d'entreprises, essayer de voir ce qui existe sur ce territoire et de le valoriser, et puis de se doter d'outils nécessaires à son développement. Premier travail que nous avons fait, c'est la création d'un lycée international situé à Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand, qui est en cours de réalisation et dont la vocation naturellement est d'attirer, de faciliter la venue de cadres permettre à leurs enfants d'être bien accueillis. C'est naturellement de continuer la formation professionnelle avec les organismes existants sur le territoire. C'est la réflexion, et nous avons été très attentifs à créer un réseau de logements pour les étudiants. Nous avons fait un plan 2005-2006 de 1200 chambres studio-étudiants qui est en cours de réalisation. Et puis maintenant, nous sommes partis sur trois autres grandes idées. La première, c'est la rénovation de la RN34, qui est un axe central pour nous. D'utiliser l'autoroute A4, le boulevard urbain, voir comment on peut le transformer et qu'il devienne un axe non pas de passage de voitures, mais qu'il soit aussi vecteur de dynamisme. Et puis le troisième élément, c'est celui dont je vais vous parler, c'est la réflexion sur ce territoire, le constat à travers la Société du Grand Paris, enfin le Grand Paris, pardon, lancé par l'ancien président Nicolas Sarkozy, d'essayer de créer autour de Paris, à travers des clusters liant la recherche, l'université et l'économie, liés par un grand réseau de transport urbain, de redynamiser la région. Donc nous avons sauté naturellement sur l'occasion pour dire nous existons, et nous voulons participer à cette aventure. D'où le soutien d'abord au Grand Paris Express, à travers la ligne rouge, la ligne 15 et la ligne orange. Nous sommes battus pour que Val-de-Fontenay, qui est au cœur de notre territoire, devienne une vraie gare intermodale. Et pour l'instant, sur le papier, c'est bon. Les études sont lancées. Le prolongement de la ligne 1 aussi, du métro jusqu'à Val-de-Fontenay. Tout ça sont des éléments supplémentaires. Mais nous voulons aller plus loin. Et l'idée de base, c'est de se dire que finalement, sur ce territoire, il n'y a pas si vide que ça, et qu'il y a des très grands établissements publics ou des sociétés caractère privé, naturellement tout un réseau de PME, mais on va s'arrêter aujourd'hui sur les grands établissements qui sont présents et dont la vocation finalement, et comme le dit le titre, tourne autour de l'homme et la cité. Vous savez que pour l'Est parisien, dans le cadre du Grand Paris que j'évoquais, le clubster, c'est Descartes, avec le développement de la ville, la cité, quelle ville durable demain, donc avec un pôle extrêmement fort de chercheurs, d'universités, en liant tout cela. Nous nous sommes dit, mais en observant notre territoire, entre le périphérique et Marne-la-Vallée, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de couloir, c'est l'ACTEP. Et sur ce territoire, il y a des établissements de très haute qualité, à la fois historiques sur notre territoire, mais également très riches dans leurs spécificités. Et peut-être avec un premier constat, c'est que peut-être ils ne se parlent pas suffisamment.
Savent-ils qu'ils existent les uns et les autres, outre le fait que, naturellement, il y a leur présence? Toute cette richesse qui est contenue chez les uns et chez les autres, peut-on la mettre en commun? Peut-on la mettre en synergie pour développer des idées, des concepts nouveaux qui permettraient demain d'asseoir une nouvelle économie sur notre territoire? C'est un petit peu le but de cette recherche que j'ai été amené à faire au nom de l'ACTEP, par la rencontre de tous ces établissements. Alors si on part du périphérique, on va commencer par la cité de l'immigration, c'est l'histoire là aussi de l'homme. Nous avons à Charenton la cité du patrimoine architecture, avec une richesse considérable en matière d'architecture, de patrimoine, de savoir sur la construction, de bâtiments, les différentes logiques pour la créativité, l'imagination de nos artisans. Nous avons, si on continue, nous revenons par exemple à Saint-Mandé, nous avons le futur zoo de Vincennes qui va ouvrir dans quelques mois, c'est la biodiversité avec le muséum d'histoire naturelle, donc c'est toutes les sciences de l'animal et également de la biodiversité. Nous arrivons à Saint-Mandé, nous avons évoqué le pôle géosciences qui a été créé depuis quelques années sur la base de l'Institut géographique national. L'inventaire forestier est arrivé, il y a le bureau du service hydrographique de la marine. Nous avons Météo France qui est aussi une grande unité et que nous saluons. Et peut-être demain la direction des milieux aquatiques et l'agence de la biodiversité. Donc on voit que l'on commence à conforter de vrais pôles de réflexion. Si nous continuons, nous arrivons au service historique de la défense avec le château de Vincennes qui est un lieu historique et de culture et de tourisme, mais également d'histoire avec le service historique de la défense, c'est la mémoire de la République. Vous avez, mesdames et messieurs, l'affiche de vos grands-pères, de vos grands-oncles qui ont fait soit les batailles de l'Empire, soit 14-18, soit 39-45, soit d'autres éléments, mais ils ont constitué, c'est une mémoire extraordinaire, donc c'est l'histoire. Si nous retraversons Marne et Seine, nous avons l'école vétérinaire, nous avons de Maison Alfort, là aussi nous revenions sur les sciences de la vie avec l'animal. Nous avons à Saint-Maurice tout ce qui concerne l'Agence nationale de la veille sanitaire et tous les éléments qui tourne autour de ces éléments ô combien importants aujourd'hui. Si nous continuons, nous arrivons toujours dans le bois, nous avons l'hippodrome de Vincennes, c'est le milieu équin, avec une économie extrêmement forte, on en a entendu parler dans les rues récemment. Si nous continuons dans le bois, nous arrivons à l'INSEP, c'est le corps, c'est la vie, c'est l'éthique, avec l'Institut national du développement, je ne sais plus exactement son nom, pardonnez-moi pour les gens de l'INSEP. Enfin, vous voyez, ensuite nous arrivons à Nogent, c'est Baltard, il y a la Marne et la Seine avec le Festival de l'eau pour le Conseil général du Val-de-Marne, nous avons le Forum scientifique à Fontenay avec le Conseil général du Val-de-Marne, nous avons Euromédia France, même si on risque de partir, nous avons l'INA, c'est toujours l'image, nous avons le Musée de la Résistance nationale, nous avons également, ensuite nous avons l'école Louis Daguerre, enfin bref. Des éléments extrêmement puissants, forts, qui ont leur propre histoire, qui ont leur propre, naturellement, développement, qui ont leur propre perspective, et qui, au sein même d'entre eux, ont des perspectives très fortes. Eh bien, notre idée, c'était de dire, si on mettait tout le monde dans la même boîte pour essayer de savoir qui, ce que chacun est, naturellement, et ce vers quoi chacun veut tendre, et peut-être y a-t-il demain des synergies à créer, et pour que, à la fois, nos étudiants, nous puissions permettre à nos étudiants, je vais vous en parler, de se saisir de ce potentiel pour tenter de le développer dans leur en liaison avec les universités ou le centre, le pôle Descartes. Et puis, naturellement, se saisir aussi, faire en sorte que le monde économique qui existe sur notre territoire, avec les réseaux de grandes entreprises, mais surtout beaucoup de PME, de TPE, qui irriguent notre territoire, comment ces hommes, ces femmes qui ont souvent une idée, un concept, un ordinateur et arrivent à créer une économie, eh bien, nous puissions les mettre en réseau avec aussi l'arrière-pensée, avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, naturellement, de conforter l'ensemble, et puis arriver à un final dans quelques années, parce qu'il va falloir du temps pour créer ce souffle. Nous avons l'envie aussi de faciliter la création d'un fonds d'investissement régional. Nous avons la chance
dans la ville de Lactep d'avoir des villes relativement résidentielles au CSP+, et de se dire qu'après tout, peut-être que nous pourrions solliciter nos habitants, plutôt que d'aller investir en Chine ou au Brésil, ce qui est fort sympathique, plutôt que de l'investir sur notre territoire. Donc voilà à peu près l'idée. Alors s'il y a, vous me direz, je vois au sourire des uns et des autres qu'il y a beaucoup d'utopie dans tout ça, mais l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain, et en conséquence de quoi, si on s'y attache pas, nous n'y arriverons pas. Si je prends l'aventure que j'ai vécue avec l'Institut géographique national, qui est pour moi un exemple même de ce que nous pouvons faire lorsqu'on a la volonté d'agir, c'est la rencontre en 2006 avec le directeur, le président du conseil d'administration, pour leur dire, moi, maire de Saint-Mandé, j'ai besoin d'un peu de terrain pour faire du logement social, parce que je suis, entre guillemets, agressé par la loi SRU, et vous avez un outil immobilier professionnel un peu vétuste, qui ne correspond pas à l'image exceptionnelle de l'IGN et des produits et de la recherche que vous y faites. Et donc, l'accord, j'ai été entendu, la machine s'est mise en route avec le gouvernement, etc., etc., un comité interministériel d'aménagement, et c'est ainsi, M. Assouline, que vous êtes retrouvé à Saint-Mandé, que le CHUM est arrivé, etc., etc. Et donc, on est en train de constituer avec l'établissement que dirige M. Berthaud, peut-être le premier pôle géomatique d'Europe, je pense, on ne doit pas être bien loin, et bien, si demain il y a le milieu aquatique, si demain il y a l'agence de biodiversité ou d'autres, et bien, on voit bien que nous créons là aussi un pôle de développement, de recherche, un phare, et je crois que tous ces établissements qui sont ici présents et qui sont sur notre territoire constituent de sacrées lumières, et ces lumières, mais nous aimons bien les rassembler et qu'ils deviennent un vrai flambeau pour notre territoire. Voilà à peu près l'idée, et donc merci à celles et ceux, j'ai été reçu très, très sympathiquement avec l'équipe de l'ACTEP par l'ensemble des établissements. Je n'ai pas totalement fini le tour, parce qu'ils sont nombreux. M. Leroux m'a porté tout à l'heure un projet de soins numériques. Il y avait un appel d'offres par l'ARS, il nous expliquait, il va nous en parler tout à l'heure. Mais voilà, à peu près l'objet de réunir les idées, les hommes, ceux qui ont de la volonté, ceux qui ont du courage, de telle façon à ce qu'on ne laisse pas échapper des potentialités. Nous avons le souhait de confier cette aventure. Nous avons eu, Jean-Pierre, l'ACTEP a souhaité confier cette aventure aux étudiants du territoire. Donc nous nous sommes tournés vers le PREF, naturellement, et vers Bernard de Saint-Giron et aujourd'hui M. Dizembourg, qui en est le président, de telle façon que les étudiants puissent capter cette potentialité, y réfléchir avec leur savoir, avec leur vision du monde d'aujourd'hui, avec leur capacité de regarder ce monde en mutation, de le prendre peut-être mieux que nous qui avons un certain âge maintenant, et avec les outils numériques, naturellement, d'essayer de créer quelque chose de fort. Voilà, je souhaite terminer là-dessus en prêtant à cette journée, cette cinquième journée des territoires de demain, ce qui porte bien son nom, la devise de Saint-Mandé qui est inscrite là-haut, Cresco et Floresco, je crois, j'embellis parce que je fais, alors faisons. Alors vous avez la chance d'écouter sept intervenants successifs. On va commencer, alors on a choisi l'ordre alphabétique des établissements. On commence par la cité de l'immigration, donc Monsieur Luc Gruson, cité de l'immigration nationale de l'histoire de l'immigration. Voilà, excusez-moi, la cité nationale de l'histoire de l'immigration. On vous laisse vous préciser tout ça. Vous avez 5 minutes. Bonjour. Je suis très impressionné parce qu'on vous surplombe là. Je ne peux pas m'empêcher, puisque le thème de la journée c'est le territoire et la géographie, de rappeler l'origine du palais de la Porte Dorée, qui, vous savez, a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale. Et je ne sais pas si tout le monde sait ici que c'est le maréchal Lyautey qui était le commissaire général de l'exposition, qui a convaincu Paul Reynaud, qui était le ministre des colonies en 1931, d'édifier ce palais de la Porte Dorée à la Porte Dorée, parce que à l'époque on considérait que l'Est parisien était sous-développé et qu'il fallait amener le développement, et que l'exposition coloniale allait amener le développement économique et le rayonnement sur la partie de la région parisienne qui était la moins connue des Français. Alors il faut se rappeler cette histoire, parce que je pense qu'il y a une sorte de répétition historique qui m'a beaucoup amusé ce matin en entendant le maire de Saint-Mandé. Alors évidemment, ce fameux palais des colonies, comme vous le savez probablement, il était destiné à devenir un musée permanent des colonies qui n'a jamais ouvert.
Il y a une autre petite particularité qui est très importante à se rappeler, toujours sur le thème de la géographie, c'est que c'est l'IOT qui a décidé, dès 1931, d'installer dans le musée un aquarium tropical. Ça paraît une idée un peu saugrenue de mettre un aquarium dans un musée. En fait, c'est dû à deux raisons. La première, c'est que l'IOT pensait qu'il fallait montrer, puisque le but de l'exposition coloniale, c'était de montrer la plus grande France, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire la France s'étendant sur les 5 continents. Mais l'IOT pensait que la France c'était aussi l'empire maritime, c'était pas que les terres, et donc il voulait montrer aux visiteurs qu'il y avait aussi des richesses sous l'eau. Donc ce thème de la biodiversité qui est aujourd'hui très porté par la science, on voit bien qu'il était déjà présent dans cette exposition. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'aquarium de la Porte Dorée dépend du zoo de Vincennes. Alors, je corrige tout de suite, il est plus ancien que le zoo de Vincennes, puisqu'il date de l'exposition coloniale, qui, je le rappelle, est l'événement qui, dans l'histoire de France, a accueilli le plus de visiteurs. Il y a eu 30 millions de visiteurs. C'est des chiffres qui font rêver aujourd'hui, pour une exposition qui n'a duré que 6 mois. Alors, ce musée, j'ai que 5 minutes, hein, ce musée des colonies qui n'a pas ouvert est devenu le musée de la France d'outre-mer. Et puis, quand André Malraux a créé le premier ministère de la Culture, il est devenu le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, parce qu'André Malraux est le premier homme politique qui a pensé que la culture était universelle, que à la fois toutes les cultures avaient vocation à entrer dans les musées, même les cultures non occidentales, et puis tous les Français devaient avoir accès à toutes les formes d'art, y compris ces formes d'art qui n'étaient pas, avant la création de ce musée, considérées comme des arts nobles. Et puis enfin, donc en 2002, après les élections, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a décidé de transformer ce musée en musée d'histoire de l'immigration. Je rappelle là aussi, c'est important de se rappeler que les collections de l'ancien musée d'André Malraux sont parties au musée du Quai Branly. Et donc c'est dans un bâtiment vide, sauf l'aquarium qui est toujours là, que nous avons installé depuis maintenant une petite dizaine d'années ce musée d'histoire de l'immigration, qui n'a pas d'autre ambition que de montrer qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la France coloniale où la France apporte sa civilisation supposée universelle au monde entier, mais au contraire, c'est reconnaître que la culture française est aussi le résultat d'une histoire qui fait que depuis 2 siècles, la France a accueilli des étrangers, des intellectuels, des artistes, mais aussi des gens qui ont construit les routes, les maisons, et qui ont fait la France. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un quart des Français qui ont au moins un grand-parent étranger, ce qui est une proportion qui est unique en Europe, et c'est le projet de notre musée que de raconter cette histoire. Alors, pour terminer sur la présentation de l'institution, j'essaye de respecter le timing très serré. Je voudrais vous dire que donc nous sommes un établissement public administratif et un musée national. En France, il y a une petite vingtaine de musées nationaux. On est le seul musée national de l'Est parisien avec le musée de la musique qui est à la Villette. Nous avons depuis 2 ans constitué un établissement public de site qui gère l'ensemble patrimonial du Palais de la Porte Dorée, c'est-à-dire l'aquarium et le musée national. Et cet établissement unique, finalement, il est un peu sur les thèmes de l'ACTEP, et c'est ce qu'on s'était dit avec M. Baudouin, que finalement on avait beaucoup de points communs, puisque à la fois on traite toute la question de la biodiversité marine par l'intermédiaire de l'aquarium, qui a lui-même des activités scientifiques en réseau avec énormément d'institutions dans le monde. Et puis, côté musée d'histoire de l'immigration, donc nous sommes plutôt dans l'histoire, avec des expositions temporaires, mais aussi des activités de pédagogie. On forme plus de 2000 enseignants par an pour l'éducation nationale. On a énormément d'enfants de votre zone de travail qui viennent évidemment visiter notre musée. Et puis, nous